Marjorie, Zach, depuis qu'ils sont jeunes, c'est des passionnés. C'est un couple de feu. Je les appelle le couple de feu parce que c'est leur engagement qui est impressionnant. Glisse jusqu'au fond. Un, deux, reste dans ta trace. Voilà. Jamais ils font les trucs à moitié. Je leur demande quelque chose, on est toujours entre du 90 et du 100% sur l'intensité à l'exécution. On est un couple qui attaque. On est un couple qui va s'entraîner fort, pas de temps d'arrêt. Puis en compétition, c'est la même affaire. On est même des fois meilleur en compé qu'en entraînement. On aime ça, comme la pression, puis attaquer. Marjorie et moi, on est très différents. Elle est plus extravertie, elle va plus faire des trucs dans les réseaux sociaux, elle va plus avoir le sourire hors glace et tout. Elle est toujours celle qui a l'air féerique, c'est la vie rose et tout. Et puis moi, à côté, c'est comme le regard noir, il y a que des cendres et du feu, tu sais, je veux dire. Ta-da-ta! Beat! Pam! C'est un couple qui est facile quand même à coacher et puis qui ont un bon sens de l'humour. Puisque je ne connais pas assez la musique, est-ce que vous pourriez le chanter? Zachary, résident. Tu me fais ça sur un dominant. Surtout Marjorie. Zach finit par avoir un bon sens de l'humour, mais il n'a pas le sourire facile. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui parlent de son légendaire sourire. Je reçois beaucoup de messages dès qu'il y a une petite photo qui fait... Ils sont comme « Ah, Zach sourit! » Oui, ouais. Zach sourit. Il faut juste que tu réalises qu'il est sérieux, mais il n'est pas fâché. Il n'est pas négatif. Il est juste, il est comme ça. Lui, il a besoin de se concentrer. Puis comme j'ai dit, il est plus dans sa tête. Donc c'est normal qu'il n'est pas comme moi. Tourne et hop, tire là. Ouais, c'est pas mal. J'ai complètement le yin du yang puis le yang du yin là, dans ce couple-là. Puis une chance, en fait. Une chance parce qu'on a un bel équilibre avec chacun leur différence. Ils se prennent la main, puis il y a une magie qui se passe, et puis ils ont une façon d'attaquer tous les challenges positivement qui est remarquable. On a commencé, j'avais 10 ans, il y avait 11 ans. Donc, ça fait comme presque 9 ans qu'on patine ensemble. On a commencé, je m'entraînais avec Julien Lalonde dans une équipe où est-ce que je faisais du simple, mais il y avait plein de coupes de danse, puis je commençais à m'intéresser un petit peu, comme à trouver ça intéressant ce qu'il faisait. Fait que j'ai demandé à mon coach de me trouver un partenaire, puis ça a pris un an et demi. Ça a pris pas mal de temps pour trouver un petit garçon, parce qu'à cet âge-là, le 10 ans, il n'y a pas beaucoup de gars qui patinent, puis encore moins qui veulent faire de la danse. Je faisais juste du style libre, puis il y avait un prof de danse, Julien Lalonde, qui chaque fois me voyait, me disait « J'ai une fille pour toi, elle est très très bonne, j'ai une fille pour toi, elle est très très bonne. » Puis au début, j'étais comme « Bon, ok, c'est bon, laisse-moi tranquille, tu sais, je veux dire, je suis pas intéressé. » Et puis il m'a littéralement harcelé pendant un an avec ça chaque fois que je venais. Donc après, j'ai dit « Bon, ok, on va essayer. » Je sais que j'étais vraiment excitée parce que ça faisait longtemps que je me cherchais un partenaire. Ben, c'est un garçon que je connais pas, j'ai 10 ans, donc c'est ça que c'est un petit peu bizarre à cet âge-là. Tu sais, comme, OK, il faut que je tienne la main, un gars que je connais pas, mais en même temps, j'étais tellement excitée de faire ce que je voyais des autres avec qui je m'entraînais que j'étais comme, bon, let's go, on y va. Marjorie et Zach, ça fait plus ou moins 4 ans qu'ils sont chez nous. En fait, quand Zachary nous a appelés pour venir s'entraîner avec nous, ben, il n'y avait pas de partenaire. Lui puis Marjorie avaient décidé de partir chacun leur côté après quand même avoir été champions novices canadiens. Ils ont décidé de juste arrêter leur parcours, s'en aller chacun de leur côté. Marjorie était partie à Détroit, puis elle a commencé à parler à sa mère de revenir au Québec. Et puis, il voulait savoir si j'avais une place dans mon école. Puis moi, j'ai dit « Oui, j'ai une place, mais j'ai seulement une place s'ils reviennent ensemble en tant que couple. » Parce que c'est un couple qui était très bien agencé. Il y a eu des problèmes entre les deux, soit, mais toutes les couples dans l'histoire qui ont réussi à un très haut niveau patinent ensemble depuis qu'ils sont très, 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 très jeunes. Au moment où on est revenus ensemble, même avant d'avoir eu
très pas mal. N'importe quel résultat, là, juste le fait que Marie-France Durin nous ait dit « Vous êtes mieux d'être ensemble, là, moi, ça fait OK, ben go! » Comme je savais que si on s'était séparés, on revenait ensemble, moi, c'était pour une ride, là. On avait toutes mis les objectifs au point, donc je savais que ça allait marcher directement avec cette équipe-là, avec ce partenaire-là. La chimie, c'est un travail qui dure toute la vie, tu sais. Et puis, c'est plus facile de créer ça quand il y a une certaine complicité entre le couple. Est-ce qu'elle peut ne pas le faire, même si elle est un peu en avant? Parce qu'elle dit que quand je fais ça, elle est vraiment confortable, sauf que dans la danse, il faut qu'elle se mette un peu en avant. Et même aujourd'hui, encore, on essaye d'élaborer cette complicité. Les remettre ensemble, ça a été une expérience, je pense, qui a été grandissante pour tout le monde. Ils étaient sur le podium junior. Après ça, bon, ils se sont enchaînés trois titres juniors canadiens. Puis là, ils sont champions du monde junior. Donc, je pense que le point était de prouver qu'il fallait qu'ils reviennent ensemble. Champion du monde junior, il ne peut pas avoir une plus belle façon de transitionner vers le senior. Par contre, ça vient avec beaucoup d'attentes, mais tout le monde sait que c'est leur première saison, puis leur jeu, leur rôle, c'est vraiment d'aller pousser finalement dans le derrière des vétérans et puis de faire leur place. Ils arrivent quand même à un moment au Canada où est-ce qu'on a trois places pour les championnats du monde, donc c'est une belle opportunité pour eux. OK! The kids are all right! My goodness, did they deliver! Chaque couple a une limite d'amélioration, de processus d'apprentissage qui ne peut pas dépasser. Au début de l'année, moi, je n'étais pas conscient de ça. T'sais, admettons, on est allé à Lombardia et puis moi, je me disais, je suis champion du monde junior. Je veux quand même continuer à pousser les... Donc, je me suis concentré sur les résultats et la compétition s'est mal passée. C'est un autre niveau complètement. Alors, on se bat contre des personnes de 30 ans. Nous, on a 18-20. Des personnes qui ont des fois 10 ans d'expérience à ce niveau-là. On sait qu'il y a beaucoup plus, c'est plus télévisé, il y a plus de public. Donc, on était très conscients de ça, mais on ne sait jamais tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu. Donc, à notre première compétition, ça a fait comme bang! C'est ça, Seigneur! C'est sûr que là, ça faisait 2 ans qu'il était sur tous les podiums junior Grand Prix. Là, il était sur le podium des championnats du monde junior. Donc, ils ont pris goût à être dans les meilleurs, à être dans le dernier groupe, de se battre pour un podium ou une médaille. La grande différence entre le junior et le senior, puis qu'est-ce qu'il va faire qu'ils vont continuer à s'améliorer pour Marjorie et Zach, c'est évidemment il y a une certaine maturité et puissance physique qui va leur donner plus de glisse, plus de facilité à faire certains portées, certaines choses. Ça, c'est quelque chose qu'on va travailler dans cette transition-là vers le senior. Reste longtemps. Si tu me mets à côté d'un couple beaucoup plus grand, ils ont déjà ils ont l'air plus matures à la base, etc. Donc après, il faut trouver une manière, OK, comment que je peux m'agrandir. Je dois allonger mes lignes, patiner avec plus horizontalement. On est rapide, mais on n'est pas extrêmement rapide. On est flexible, on n'est pas extrêmement flexible. T'sais. Donc c'est des trucs qui font que tu dois plus analyser parce que tu n'as pas toutes les qualités qu'il faut. Marjorie, Zach peuvent suivre les traces de Virtue Moyer, je veux dire. Pour avoir coaché les deux, je peux dire que le niveau d'intensité, le niveau de différence entre les personnalités, je trouve beaucoup, beaucoup de similitudes. Souvent, on est comparé à Tessa Scott à cause que les deux, on a été champions du monde junior. On nous compare à des légendes, là, tu sais, c'est comme « wow ». Mais en même temps, ça nous encourage. On se dit, OK, les fans de patin, les fans de Tessa Scott, ils sont aussi derrière nous. Moi, je suis très bien là-dedans. Maintenant, chacun a son parcours. Chacun a sa façon d'arriver à ses buts puis à ses objectifs personnels et professionnels. Puis ça, c'est à eux de découvrir leur route. C'est à travers les grandir, eux, en tant qu'individuels, qu'on va aller chercher le meilleur de leur performance sur la glace. Maintenant, au Canada, tu sais, tout le monde connaît Tessa Scott. Oui, OK, j'aimerais ça devenir une star comme OK, ça serait bien. Sauf que nos buts sont axés autour du sport et puis il faut juste travailler, analyser, travailler. Et puis, qu'est-ce qui arrivera? C'est le destin.